Bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous, bonsoir, bonsoir. Nous disons bon Dieu merci pour grâce li, à mon bonté infinie qui fait ma après-midi nous sommes capables là pour nous partager la parole de Dieu ensemble. Et nous bénissons Seigneur pour ça. Nous baissons tête nous pour nous faire un coup de prière. Seigneur Dieu trois fois saint, nous bénissons, nous disons merci pour grâce, pour bonté infinie. Nous disons merci Seigneur Dieu de ce que tu fais nous passer un bonne semaine, un bon week-end et nous lever dans une autre semaine encore. Nous bénissons, nous disons merci. Et nous demandons au Père que semaine ça va, une semaine bénie, une semaine remplie de bons fruits pour chaque ami nous, chaque frère et sœur qui chita à bon table ensemble avec nous. Tendez la parole de Dieu que nous avons partagé ensemble. Et mando Seigneur Dieu que parole ça va tourner une graine qui tombe dans une terre et qui va produire des fruits. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Nous disons bon Dieu merci de ce que aujourd'hui là nous chita bien vivant. Jodi an la nous lever avec une grosse victoire. Moi-même ou même nous lever avec une grande victoire. Avec une grande victoire. Et ce qui fait nous lever avec grande victoire ça jodi an, c'est parce que nous gagnons Jésus dans bac nous. Alléluia, gloire. Et matin, après-midi, on a partagé un verset. Alors, on a partagé quelques versets et pour nous arriver dans le point que nous voulons arriver. Eh bien, on a lu Marc, chapitre 16, le verset 17 et 18. Qui dit comme ça? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia, gloire. Et nous voyons que la Bible dit nous comme ça que voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, à qui est-ce? C'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous toutes connaissons l'histoire de Jésus et que Jésus a quitté le trône de son père. Et il te descend sur la terre, prend forme chair pour te sauver nous contre les morts spirituelles, contre la mort spirituelle, contre les péchés mortels. Eh bien, c'est Jésus-Christ ça, dans Marc chapitre 16, le verset 17 et 18, qui dit nous comme ça que mes miracles cap avec nous si nous croyons en Jésus. Qui miracle lié? Il dit comme ça que n'a chassé démons et n'a parlé de nouvelles langues. Même si nous ta boire un breuvage mortel, ça veut dire même si nous ta boire un bagage qui capable tuer nous. Il pas faire nous rien qui mal. Et n'a pas poser maladie les mains
et malade va guérir. Ça c'est monde qui croit dans Jésus. Monde qui croit que Jésus-Christ est le Dieu très haut. Et nous voyons que grand pile monde qui a fait discussion que bon nous pas dans discussion, pile monde a dit que Jésus pas Dieu. Jésus pas Dieu. Bot nous même nous connaît que Jésus-Christ on savait avec papa le faisons seul. Ça veut dire si nous croyons en Jésus, si nous croyons en petite là, nous croyons en papa. Il dit comme ça que si nous croyons en lui, nous va et faire un pile bagaille dans nos lit, nous va chasser des démons, nous va parler l'autre langue, nous va parler l'autre langue et nous va guérir malade, nous va prier avec malade, malade va guérir. Et non seulement ça tout, l'en a Luc chapitre 10, le verset 19, il dit comme ça que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh, gloire à Jésus! Quel miracle! Lorsque Jésus-Christ, libre pouvoir, libre autorité sur tout ça qui est capable de nuire. Ça veut dire que, immédiatement, au compte Jésus, immédiatement au compte Jésus, Satan pas gain pouvoir sur vous. Satan pas gain pouvoir sur vous parce que ou gain Jésus-Christ en dedans, Satan pas capable faire rien. Eh bien, ou elle dit comme ça que li ba nou pouvoir pour nous marcher sous serpent, sous scorpion. Et rien pas capable nuire nous puisque depuis nous marcher sur yo au nom de Jésus oh oui nous gagnons la victoire ou même qui gagnons persécution ou même qui senti que ou gagnons esprit démoniaque cap nuire et bien après-midi hein, Jésus-Christ fait connaître de pour accepter lui et bien ou gain pouvoir pour marcher sur l'ennemi. Petit toi marcher sur l'ennemi, ou seul bagay, en nous croyant dans Jésus-Christ. Et bien-aimé, nous sentons vraiment flattés pour grâce que bon Dieu fait nous. Nous sentons, bon Dieu fait des grandes choses dans la vie nous, que nous pas mérité. Que n'ont pas mérité. Après le péché du monde, après le péché d'Adam et Ève, cause la désobéissance de Dieu. Et nous voyons que le Dieu très haut a dit comme ça que leur péché, puisqu'au péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ, qui ça Jésus-Christ t'a fait? Qui ça bon Dieu t'a fait? Il voyait Jésus-Christ venir mourir pour moi-même avec vous. Pour nous pas mourir, pour nous sortir en bas condamnation ça. Pour sortir en bas condamnation ça, faut que nous croyons en Jésus. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, mes amis, on nous croit dans le Seigneur. On nous marche avec Jésus. Et si nous marchons avec Jésus, n'a plus que vainqueur dans tout combat, dans tout ça qui a persécuté nous, tout ça qui a nuit nous, nous est Jésus n'a abat nos victoires. Là, nous regardons à travers de Actes chapitre 28. Nous voyons histoire de Actes 28. À partir du verset 3, lis-tu comme ça? Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main.
Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se rendirent les uns aux autres. Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Nous voyons que il racontait nous et Babario histoire racontait nous mon pays a été agi bien en pile avec nous. Li di kon sa la pli t'ap tombe. Li te fè fwèt en pile. Yo li me yon gros boucan pou yo te recevoir chaleur. Et puis histoire di nou kon sa ke Paul te ramase yon ti paquet fachin. Li t'ap metel nan di fè. Li t'ap metel nan di fè a. Yon serpent sorti nan chalet di fè a, li vlopé nan men li. Et puis la Bible dit nous konsa les moun zile yo wè serpent pendant men Paul yon tap di lot gen le nom sa se yon assassin li chapé nan naufrage la et puis men justice bon Dieu a possible li toujours. Et puis la Bible dit nous konsa Paul te anik souke men li, et puis bet la tombe nan di fe a. Li pa te senti anye anko. Lot moun yo mem, tap ton pou yo we Paul vin anfle, ou sinon Paul te tombe mouri fret. Moun yo ton yo ton, le yo we anye pa arrive el. Yo change l'ide, et yo di, nom sa se yon bon die. Ça veut dire mais ça bon Dieu capable faire. C'est ça oui verset 18 dans Marc chapitre 16 a dit. Il dit comme ça que ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point mal. Ça veut dire de pour croire dans bon Dieu mais tout ça cap suivre vous mais tout ça cap suivre vous. Eh bien mes frères et sœurs, en nous suivre Jésus, en nous croire dans Jésus. Oui, Jésus existait. Oui, il est le Dieu très haut. Oui. Nous croire. Moi-même moi croire. Ou même c'est pourquoi. Et de pourquoi on va voir la gloire de Dieu. De pourquoi dans Jésus on voit la gloire de Dieu. Comment on voit la gloire de Dieu? On prie avec maladie a guéri. On chasse démons dans nom Jésus, démons a tombé. Eh bien on gagne de nouvelles langues. On gagne de nouvelles langues, mais pour gagner toute bagarre ça nous besoin croire dans Jésus. Matin et but parole ça c'est on nous croit non Jésus et on va ouais comment miracle il a accompagné nous parce que Jésus-Christ dans parole il dit comme ça que il praler mais nous-mêmes qui rester nous va faire plus que ça il était qu'on faire pour nous faire plus que ça il était qu'on faire nous besoin croire nous besoin d'accord et nous besoin accepter. Eh bien mes amis, c'est passage ça moi te vle partager ensemble avec vous. Moi capable dire comme ça que de pour croire dans Jésus-Christ, ou pas besoin peur en rien parce que dans Luc 10 verset 19, il dit nous, je vous donne dans Luc 10 verset 19, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Songez bien, Satan est un menteur. Satan est un menteur. Il faut croire que bon Dieu pas existé.
ou bien la foi croit que miracle pas existé. Songez, depuis suivre Jésus, tout miracle suivre. Depuis suivre Jésus, tout miracle suivre, pas jamais oublier ça. Depuis suivre Jésus, tout miracle suivre. Depuis croire en Jésus, tout miracle accompagné. Ça veut dire que ennemi qui a persécuté là. Jésus-Christ bon pouvoir pour marcher sous lui pour l'embarquer. Tout ça cap nuit. Jésus-Christ bon pouvoir pour mettre en otage, pour barricader, pour marrer, pour enchaîner, pour brûler au nom de Jésus. On nous croit, on nous accepte, on nous d'accord. Oui, Jésus-Christ est le Dieu. Oui, Jésus-Christ était mort, il est ressuscité. Maintenant, il est vivant au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. En nous, quelles paroles ça? En nous sous ces paroles là. En nous manger paroles là. En nous broyer paroles là. En nous vivre avec paroles là. Ouais. Comment bon Dieu a agi en travers de nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse. Ses amis, nous sœurs, nous serons. Bon Dieu bénis-nous.